J'ai regardé l'entombe, mais ça silence, hein, je crois. Donc ça, c'est vraiment très fort. Mais ouais, l'entombe qui silence, c'est très fort. Je ne sais pas où il est, mais là, on regardait ça. Mais ouais, l'entombe qui silence, en tout cas, c'est fort. On regarde ça plus tard. Du coup, c'est Hammer. Hammer, vous pouvez voter pour Hammer. Vous pouvez voter pour Hammer. Pour Hammer, ouais. Vous pouvez voter pour Hammer. Je donne 10 euros à tous ceux qui votent sous le jean. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Parce que moi, je crée plein de comptes et je vote sous le jean avec tous mes comptes. Et comme ça, tu me fais un petit don. Un petit don, tranquillement. A little don. A little don. C'est un petit don. A little don. Et Zagara Nathan. Ben, là, il y a Hammer qui est devant. Hammer a 18 votes. Donc voilà. Vivel Metal qui veut troll apparemment. Donc c'est Hammer. C'est Hammer. Oh, who can deal some damage? I can, you know. Je sais pas s'il le sait, mais Hammer ça fait des dégâts. Après, il y en a qui pensent que Hammer ça ne fait pas de dégâts. Il y en a qui pensent aussi que Rengar ça ne fait pas de dégâts. Mais en fait, ça fait des dégâts. En fait, si Hammer fait pas de. Enfin, ouais. Enfin, ouais. C'est un problème en fait. Parce que du coup, si avec notre compo on n'a pas de dégâts, on n'a pas de dégâts en fait. Parce que Medivh ça fait des dégâts aussi. Rengar aussi, Arthas aussi, Sonya aussi, tous les héros font des dégâts. Ok, nice. Ah, on peut pas voter Zagara. Ouais, je les enlève au fur et à mesure de stream. J'enlève les persos que j'ai déjà joués sur mon stream et je les remets au stream suivant. Voilà. Tout simplement. Et je les mets en bas de la liste, comme ça ils sont pas priorisés. Voilà, je les mets en bas de la liste pour que ça fasse un peu des rotates. Bon, Varian est toujours au top de la liste, mais il est toujours pas joué. Mais, toujours, personne ne veut le jouer. Personne veut que je joue. Du coup, qu'est-ce que je banne? Daka. Ouais, je joue Arthas ce matin, ouais. Je joue Arthas. Lol, Hammer est devant parce que t'as demandé de voter pour elle, sinon de base elle était à égalité avec Janna. Non, moi, président, je ne ferai pas d'arnaque fiscale. Non, moi, président, je ne vous arnaquerai pas. J'ai du mal à le dire parce que. Voilà quoi. J'ai du mal à le dire, c'est assez bizarre. Je ne comprends pas pourquoi j'ai du mal à dire ça. Moi, je vous regarde droit dans les yeux. Je ne ferai pas d'arnaque. Non, non. Moi, président, je ne sais pas parler. Voilà, c'est exactement ça. Arachnide. Voilà, je ne ferai pas d'arachnide. Moi, président, je ne ferai pas d'arachnide. Voilà, c'est beaucoup plus simple que dire d'arnaque. Arnaque, c'est dur à dire quand même. C'est assez compliqué à dire parce que, bon, c'est vrai que les arnaques, j'en fais. Non, je n'en ferai pas, hein, bien sûr, j'en ferai pas. C'est normal. Hop. Attendez, je fais un truc avec ma banane. Oui, je parle bien de cette banane. Voilà. Tu as un compte en Bretagne d'un tas de rend l'argent. Putain, tu troll quoi. KX917, je joue juste pour rester bon en gros et ouais pour le stream. Pour le stream. Ouais, c'est le showmatch, c'est ici, ouais, à 14h.
Pour être GM1 à Londres. Putain, bande de trolls. C'est deux meilleurs joueurs que moi devant moi, donc ça va. Ça reste correct. Vous allez y arriver. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Ah non, même pas. Ça c'est bizarre ça de d'engage comme ça. C'est bizarre d'engage comme ça sans personne dans le coin. C'est étrange. KT c'est chiant. Mais vu que j'ai des mates, ça va. On aurait pu le tuer, lui. On aurait pu le tuer, le Anub. C'était pas un souci. Mais on l'a pas fait. C'est dommage. Medivh, va pas mid. On va pas taper plus sur les murs parce qu'ils vont se faire un shot. Je vais aller mid du coup. Ah, Arthas c'est. Arthas est mort en 1v1 contre Thrall. Le plus gros counter de Thrall, c'est Arthas. C'est pas plus gros counter de Thrall. Oh, oh la vache. Ouh, le petit heal. Le petit heal qui met tout doux. Ah là 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 là. Je suis triste. Je suis triste de ne pas l'avoir tué. J'avais fait un bon hit and run. Ah là là. Tristesse est en moi. Tristesse est en moi, honnêtement. Donc, le Arthas, il n'y a pas plus gros counter à Thrall. Il y a Arthas, et voilà. C'est le plus gros counter à Thrall. Il n'a pas pris bloc, donc c'est normal qu'il perde. Mais vas-y, tu peux le faire. Ouais. Sans moi, normalement, il le tuait quand même là. Mais c'est compliqué, hein. Genre, il faut prendre bloc en fait. Ok. Les autres héros, le bloc, tu t'en fous. Mais ouais, mais dans le teamfight, tu vas faire quoi? Tu vas aller contre le Thrall, tu vas nullifier ses dégâts, tu prends le bloc, il te met des auto-attaques, il sert à rien, que plus. Hop, GG gagné. GG la game. Mais ouais. Après, il a pas la bonne vision de jeu, comme qu'il dirait. C'est tout. Jambon avec leur scooter.
Je vais te laisser aller bottes. Ça servait à rien de prendre le wall, hein. Le mec il a pris un wall pour rien. Ouais c'est vrai. Ce mec qui me flanque ici. Salut les deux. Le Thrall a pris le bloc. Thrall a pris le bloc sur le loup. Ouais. Il a pris le build défensif que Alex the Prog avait pris, je crois. On a deux nukes. C'est unlucky ça. T'aimes pas quand je te dodge tout. Hein. Ah, tu pouvais pas y aller. Unlucky ça. Le Arthas a perdu sa lane contre Anub aussi. Ouais, un boosted de plus. Perdre sa lane contre Anub et contre Thrall. Contre Anub, y a aucun. Je crois qu'il n'y a aucun héros du jeu qui perd contre Anub en lane. Je pense que c'est le héros le plus nul en lane du jeu. Et ouais. Unlucky. Comme qui dirait. Arthas est boosted en fait, tout simplement. Il est boosted. J'ai déjà gagné des lanes avec Anub, pourtant. Ouais, mais après ça, c'est parce que les mecs sont nuls à chier en face. Mec, Anub, tu perds pas ta lane, mais t'en gagnes pas non plus en fait. C'est ça, hein, je crois. Enfin, tu la perds pas contre Arthas, tu la perds parce que Arthas c'est beaucoup trop fort. En fait, tu prends Arthas souvent pour la phase de lane déjà en soi, donc ouais. Arthas c'est vraiment, c'est pas fort en late game en fait. C'est pas mauvais après non plus le heal que la mousse pique que a donné le Karazim, ça les a bien sauvés là. Mais ouais, Arthas c'est early mid game, tu prends surtout pas la phase de lane et du coup ouais c'est problématique quoi. Là ils ont pas back pour essayer de nous défendre, mais en fait vaut mieux back et défendre après quoi que essayer de défendre parce que vous pouvez pas défendre de toute manière quoi. Ah, la mousse speed que le Karazim donne à chaque fois, c'est chiant. Le KT il court trop vite quand même. What the fuck? What the fuck? On va faire les Z du coup. On les a vus. Thrall, les potes. Il joue contre quoi le Thrall? Il joue contre le Medivh, ouais. Medivh va 25 stacks, c'est pas mal ça. 25 stacks, c'est. Il y a le Anub qui me flanque par en bas. Le Anub est là. Elle a pris un move speed. C'est assez chiant honnêtement. Elle est vraiment très useful ici. J'enlève sa mount, j'ai vu qu'il avait mount. Ouais, ils se font engage. Classico. Ah! Oh la vache quoi. Ouais, je peux pas le tuer. Avec le bloc, je peux pas le tuer. Ça joue très mal dans ma team quand même. Ça joue quand même très mal dans ma team. Hein. Cocon, ils se font engager, ils prennent le stun d'Anub. T'as juste à faire un gauche-droite avec le stun d'Anub. Après, bon, c'est pas évident en soi. Il faut faire ce gauche-droite. Le Thrall qui tue tout le monde. Le Medivh qui a fini sa quête quand même. Le Thrall qui va se faire.
Il y a des mecs qui arrivent pour le sauver, mais faut se barrer maintenant, si tu peux. Là, on pouvait y aller par contre. Oh, la palme. Ouais, j'ai mis ma dernière auto sur la palme. Voilà, auto-attaque. Ah, comme Malgania me disait avec l'Arsenal au 7. L'Arsenal est déjà mauvais, même dans le build multishot, il n'est pas si fort que ça, l'Arsenal. Donc en gros, ça sert pas à grand-chose ce talent-là. Il est vraiment nul, le talent. Et en gros, dans ce build-là, bah, il est juste nul à chier, quoi. Donc voilà. Il m'avait parlé de ce build-là que des gens faisaient. Et build auto-attaque avec Arsenal au 7. Très très nul. Très très nul. Et là, en gros, par exemple, ce teamfight, si on le gagne, vous allez dire, ouais, t'as pas carry, etc. Et par exemple, rien que le fait de dodge le loup, en fait, j'ai dodge le loup au début. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais j'ai dodge le loup. Et en fait, rien que de. Merde, je suis mort, peut-être. Ouais, je suis mort. Il a un shield, mais. Ouais. En fait, rien que de dodge les sorts, forcer les mecs à te mettre les sorts sur toi. Après, j'ai parlé trop dans le teamfight, donc j'ai fait de la merde. Mais. Forcer les mecs à mettre les sorts sur toi et les dodge, c'est extrêmement important parce que les sorts, les mecs les ont plus et du coup ne peuvent plus mettre les sorts sur tes mecs. Et en fait, c'est extrêmement important en fait. C'est rien que ça, c'est carry en fait. Après, ça on voit pas souvent, mais c'est comment tu peux carry en soi aussi quoi. Après là, bon, j'ai fait de la merde à la fin, mais parce que je voulais expliquer mon truc, mais en fait. Il y a un mec bot et un mec mid, il y a deux. Ouais, ok, ils sont tous là. Parce qu'ils étaient que trois vivants. Cocoon, c'est le medic qui est Cocoon. On va perdre une nuke pour en prendre une. Pour en prendre, ouais, pour en prendre une. C'est dommage. C'est dommage de quand même de voir comment est fait ce truc. En fait, là, on prend une nuke. On veut prendre une nuke. On veut prendre une nuke. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est pour avoir une nuke du coup. Et en fait, on perd une nuke pour en prendre une. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Les mecs, la plupart des gens ne comprennent pas ça en fait. Parce que là, tu perds une nuke pour en prendre une. Et tu meurs. Et du coup, c'est pas worth it en fait. Mais après, ça, c'est bon. Ça, c'est. Voilà quoi. Comme ça, quoi. On peut en faire, je pense. À part si Léol, je sais pas s'il l'a. Ah, je vais peut-être mourir. Non, je vais pas mourir. Ah non, il a un chip. Ok, il a un chipounet. Ah, ça a été large quand même, mais ouais. Qui parle de 5v4. Oui, ils étaient en 5v4. Parce qu'il disait que j'étais pas. Mais c'est pas un flame contre moi, hein, c'est juste qu'ils étaient en 5v4. Enfin, je pense en tout cas. Enfin, ouais. Je pense pas que ce soit un flame. Hein. Merde. Non, c'est bon, je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi il a balancé ses ghouls quand on veut pas fight ici. Enfin, on veut pas trop fight en tout cas. Ouais, lui est presque mort. Ah, lui il voulait fight en fait, c'est ça? Ah, ok. Je suis plus en siège du coup, je crois. Si, si je suis en siège. Apparemment, je suis en siège.
Ah mais il meurt derrière. Pourquoi il meurt derrière moi? Le Medivh est mort. Ça va faire mal, mais je m'en fous un peu. J'ai pris deux chocs de flamme, mais ouais, le Medivh est mort derrière moi, je sais pas comment. Parce qu'il avait des dots, etc. Mais il était pas mort. Et après il a pris genre un tick de je sais pas quoi. Et il est mort. Unlucky. Le keep est pas mort du coup. Ils voudront. Non, ils ont pris le keep mid. Ils go sur l'Auriel, ok. Ils peuvent vouloir retourner sur le keep bot. Il a pris le Flamestrike qui était sur toi. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Il est venu au cac de moi et il a pris le Flamestrike. Okay. Oh la vache, putain, j'aurais pas le temps sans déconner. Ah si. Non. Là en gros, je dodge tout, enfin je dodge le loup, truc. Après je me prends tout dans la gueule. Et en fait, problème. Il y a un petit problème. Parce qu'en fait, je prends tout dans la gueule, il me focus moi. Hein. C'est moi le focus. Et en fait, c'est là où tu vois les mecs avec moi. Donc déjà, je suis presque sûr que j'ai pris des Flamestrike. Et en fait, déjà, ils étaient dans mon Flamestrike. Parce que les mecs étaient tous paqués sur moi. Donc déjà, ils prennent les Flamestrike. Et en plus de ça, ils me font prendre 8% de dégâts en plus. Déjà. En plus de ça, ils se font tout stun. Comme ça, c'est cool. C'est comme ça, ils peuvent pas me heal. Enfin voilà, quoi. Enfin, peut continuer l'histoire. Je ne vais pas raconter tout le teamfight, mais bon, c'est tellement dégueulasse le teamfight. Le focus, c'est moi, les mecs, ils se prennent tous les AOE. Bah oui, bah c'est sûr que. C'est sûr, si tu essayes de me protéger en prenant tous les stuns du monde, c'est sûr que tu vas pas me protéger longtemps. Ça, c'est sûr. Et en plus, tu as lose the teamfight, parce que tu vas être mort, quoi. Tu vas servir à rien, quoi, tout simplement. C'est assez triste, mais bon. C'est comme ça, les games, des fois, on peut pas tous les gagner, comme qui dirait. Même avec des stats de folie, sans être avec l'Auriel de la game. Et là, Vala était avec l'Auriel toute la game. Et là, elle a beaucoup de dépush et beaucoup d'héros damage, je trouve. Je me fais focus. La Vala, elle se dit, là, je me fais focus ici. J'ai dodge le loup, j'ai dodge truc. Je suis allé là pour me cacher. Il y avait la nuque qui me flanquait, donc j'ai encore pris tout dans la gueule. Et la Vala, en fait, elle s'est dit, oh, je vais aller là. Il y a le UTR, le Thrall là. Oh, je vais aller là. Je vais aller au corps de UTR Thrall. Je vais me faire one shot. Au revoir. Ok, normal. Là, ici, ça peut flank par derrière. Je peux pas voir. J'ai lancé mon napalm. Voilà, ils sont mid. Ils vont aller bot. Ouais, non, c'est bon. On n'a pas le temps d'y aller ici. On n'a pas le temps d'y aller. Hop, c'est fini. Ça, c'est un peu chiant par contre. Parce qu'ils vont. Ah, ils vont prendre le mid aussi. Ah oui, mais les mecs, ils sont YOLO quoi. C'est vrai qu'ils sont pas pareils que en Grand Master. Les mecs, ils sont YOLO en fait. S'ils meurent, ils s'en foutent. Ouais, la Vala est déjà morte. What the f... Pourquoi il a mis un TP sur moi, ce bâtard? Pourquoi il a mis un TP pour que je clique dessus? Please. Pourquoi il met pas la couronne sur moi en fait et il met la couronne sur moi quand je suis à la base? C'est bizarre ça, non? Vous pensez pas que c'est bizarre? Du coup, va falloir là. Mais Leon Hand aussi sur Medivh, c'est complètement dégueulasse. Hein. Il a pas le Leon Hand sur un boss où t'as deux, tu peux prendre deux boss avec grâce à ça. C'est quand même un peu triste. Je vais check là, ils sont peut-être en trap. Ok. Là, il y a un nul dans le bush ici. Faut aller là en fait, on a perdu autrement. Là, il y a un nul. Ah non. Il y a Thrall qui est. Ils ont fini, ouais. Ils ont bientôt fini. Ils prennent beaucoup de dégâts quand même. Mais... Faut gagner le fight au moins. Si on gagne le fight, il y a moyen de faire un truc. Non. C'est GG du coup. La Vala qui est arrivée, qui est morte. GG du coup.
Leon Hans, c'est le deuxième ulti de Medivh. Mais ouais. Ah, j'ai fail, j'ai derp. Il va pas me tuer normalement. Lui veut me tuer. Ah, c'est Nucky ça quand même. Il y a une porte, c'est Nucky ça. Attends, je. Attends, ah bah t'es. Ah, la palme. Oh, il va me tuer ce bâtard. Il veut me tuer, je suis sûr. Mais ouais. Ah merde, j'ai failli mourir. Ouais. Non, je suis pas MVP. Parce que j'ai perdu, donc c'est dur d'avoir le MVP. Si j'avais 0 mort, non, le KT est beaucoup trop. Il a. Ok. Bref. Bon. Ok. Du coup, je suis à 118. Non, je suis à 118.